Ouais, mode il d'un a une grosse commu. Surtout qu'ils avaient déjà parlé de lui sur. Ça, au bout de 50 secondes de vidéo, j'ai même pas regardé la vidéo, ils ont fait allez. Eh, hey, t'es super celui qui regarde la vidéo car t'es mon abonné. Ouais, les gens, on est en plein débat sur le 11 impératif de Bouscapé. J'espère que vous allez bien. Et alors, c'est une on dirait qu'avec Petit Ours et Sacha Norex, ça. Salut, les gars. Eh, hey, salut, ça va? Moi, ça va. Mais non, je te la donne, je te la lègue. Moi, c'est plus ça mon intro maintenant, je te la lègue pour tes vidéos. C'est quoi maintenant ton intro? C'est mais attends, mais tu regardes la vidéo toi? Mais t'es super en fait, vu que t'es mon abonné. Voilà. C'est ça. Mais tu sais que regarder ta chaîne, c'est pas forcément être abonné à toi. Non, mais genre la personne qui va regarder. En fait, t'as capté, genre je veux induire les gens à s'abonner s'ils sont pas abonnés. Genre tu regardes la vidéo, mais t'es super, donc ça veut dire que t'es abonné en fait. S'il est pas abonné, bah va te faire foutre, mec. Utilise des techniques. Regardez ce que je vous ai envoyé sur Snapchat. Vas-y. Bon, les gens, salut, ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais non, je suis pas de. Vas-y, acheté. Oh, j'aime bien la blague, j'aime bien la bouteille. J'ai pas tourné la roue. Ouais, j'ai pas touché. Voilà, et comme vous pouvez l'entendre, on est avec Chef aussi. Viens ou quoi la mif? Hey, salut, ça va? Ouais, moi ça va. Non, il reprend les phrases des meilleurs. C'est Gandhi. Et en tout cas, je veux peut-être modifier mon. Ah non, Gandhi, c'est le mec qui a fait la marche là. Arrête de gratter le mur là. La putain de sa mère, j'ai encore gagné des vêtements. Sweet à capuche, amination. Mais en tout cas, moi, j'ai un autre top 3. Deux. Top 3, Lénine. Top 2, Staline. Top 1, Hitler. Ah Non, mais frérot, c'est... Attends, t'as mis Staline ou Lénine avant? J'ai pas trop... Lénine, troisième. Ouais, voilà, ouais, on est cordé à carré. Après, il y a Mussolini, mais je trouve qu'il a pas... Non, mais lui, moi, je pense Lénine, je l'aurais viré, j'aurais mis Mussolini à la place. Vous êtes Mussolini? Ouais, Mussolini, c'est Staline, Hitler. Bonne personne en vrai, parce que moi, j'ai le même top 1. En tout cas, ouais, le H premier, quoi. Toujours. Ouais, non, mais le H, t'as vu ce qu'il a fait, on peut pas tester. Top 1. Mec, j'ai trouvé... Vas-y. Et les gens qui regardent la vidéo là, dites-nous en commentaire c'est quoi votre top. Je suis un peu de commentaire, mais le top 3 des 11 rappeurs, hein, pas des dictateurs. Ouais. C'est vraiment bizarre, ça porte à confusion. Top 3 des dictateurs. Je vais filer ma bravado comme Zola. Ah, oui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu me veux toi? Tiens. En plus, t'as vraiment une dégaine de rappeur en plus, Petchours. Ah, moi, mais mon gars, nouvelle école, soleil. Mais non, je me la mets pas. Aïe. Merde, mais c'est un secret, faut pas le dire. Tu me l'as pas. Bah, tu me l'as dit. Et mon gars, moi je suis rappeur New Wave. Oh la patte. T'es vraiment un peu melon là. Ouais, t'es New Wave, c'est pour ça que t'étais en train de space dans les airmen. Ah. Avec mon chapeau melon. Et ouais. Non, en vrai, ouais, je suis dégoûté. T'inquiète, 2025 ou 2026 ou 2027, je serai dedans. Ouais, 2023, 2042 aussi. Ça se trouve, d'ici là, ils auront arrêté le concept, hein, je sais pas. Ah, je sais pas, bah ça fait 9 ans, je pense, l'année prochaine, 10 ans, j'espère que je vais faire un truc. Ça fait 9 ans? Quoi? Oui, c'est écrit dans le truc, c'est écrit la 9ème édition. 9 ans? Oui. T'es sûr de toi? Mais ouais, bah, c'est écrit dans la vidéo. Mais moi, la première que j'ai vue, c'était 2019 ou 2018, je sais plus. Surtout avant que t'avais pas de bico. Non, mais. Attends. Ah ouais, il avait un Nokia 3310. Attends. C'est-à-dire, attends, il y a 9 ans, c'est quoi? C'est 2015? Oui. Attends. Tu sais bien faire les comptes. Rapport. Ah, tu sais calculer les BH? 2015. Ouais, je sais, je suis très fort en maths. Non, c'est faux, le plus vieux il met 2018. Les BH, si tu. Là, j'ai un album dans la tête. Si tu me dis quel album est sorti en 2015, je te donne 10 balles. Feu de Nekfeu. Non. Putain, Booba, Nero Nemesis. Non plus. Putain, fils de pute. je t'insulte gratuitement, mais c'est pas grave. Oui. 2015. Attention, le chef, tu penses à quoi, chef? Attention. Envoie un indice. Comment dire, un indice pas trop facile. Attendez que j'y réfléchisse. Michael Jackson. Putain, il l'a eu, le bâtard. Ouais, je l'ai eu. Il est fort, il fait la sortie Boogie Woogie Wooga. Tu veux, my bad. En fait, il est sorti quand? Il se bat. Il y a eu les leaks en 2015, mais il est sorti en 2016. 2016. Ok. Oh, 2016, c'était pas une année claquée pour le rap français un peu? Et ben, la première lettre de l'album c'est F. F. Comme fuck the police and the underground. F. Underground. Et c'est quoi la première lettre? La deuxième lettre, bah oui. Non, la première lettre du rap. Bah oui, tu veux tout en entier aussi? Ouais, je veux le gâteau, la part du gâteau. Le nom de l'artiste, tu veux. Je veux la retirer. Le style. Ouais, je vous l'ai dit.
Ah bah je sais. Attends, carrément. Je réfléchis premier degré là. Chef, qu'est-ce qu'il aimait bien? Oh, il aimait bien Joker en 2016. Première lettre du chanteur F. FF. Du rappeur. Un rappeur qui aime bien qui commence par F. Alors chef, est-ce que c'est Freeze? Exactement. Voilà, mais c'était sûr. Freeze, ouais, il est sorti un projet en 2016. Il est mou là. Ouais. Il est sorti quoi? Freeze Corlan 9 volume 1. La fin des temps. Ah, là, il a sorti dedans, il y a son combo, il y a plein de trucs dedans. Ah, je l'ai pas écouté. Et son combo, ah ouais. Ouais, mais t'as pas écouté, mais je suis sûr que t'as des sons que t'as déjà écouté. Ah ouais? Mais ouais, t'en as beaucoup, t'as FDT, t'as. Il y a des sons de Projet Bluebeam, je connais, mais. Ah, et ah, ouais, bah oui. Ta toilette, le caca de chameau là, t'es arrivé. Caca de chameau. Ah, en fait, dans le son toilette, il fait toilette. Caca de chameau. Attends, faut le mettre celui-là. Attends. Je pense à toilette. Caca de chameau. Caca de chameau. Caca de chameau. Scarlett. Ah oui, c'est bon. Attends, je l'ai. En fait, c'est le refrain, il fait est-ce j'ai des petits yeux, mais je vois net. Fonce là le caca négro comme des toilettes. Oh putain! Donc t'as eu au refrain, chef. Ah, mais le problème, c'est que des bâches en vol, allez hop! En fait, mon Spotify il est pas coordonné avec les paroles, du coup je peux pas voir. Il est pas coordonné avec les paroles. Bah, genre des fois, tu vois, les paroles sont coordonnées avec la musique, tu vois. Oui, bah, normalement, ce qui est logique, ouais. Bref. Peut-être dire sur quand il nous fait limiter hashtag 1 là? Non. Ah, quand il y aura les 20 commentaires, ça. Non, quand je déciderai, voilà. Et c'est quand que tu décideras? Bah, quand je déciderai, que je déciderai, que je déciderai, allez. Oh là là, chef, toi t'as pas mis de commentaire. Si, il a dit hashtag libérer la Karim. Ouais, mais il a pas mis je veux pignifier limiter hashtag. Ah, il veut pas, t'as vu, il veut pas. Je veux libérer Karim. Quel malheur. Comment ça s'appelle ton emote là, tu m'as parlé tout à l'heure là? Crise de nerf. Crise de nerf. C'est ce que tu fais tout le temps encore. Là les gars, c'est là les gars. Vas-y, on écoute. Là c'est là. Ouais, il me sent. Plein de caca comme des toilettes. C'est là, c'est dans les bacs. Là. Équipe caca de chameau. Moi, on dirait Nia qui a fait ça tellement c'est pas normal. Caca de chameau. Quand je la caca négro comme des toilettes. C'est le refrain, vraiment. Oh, Epic Game Blinders. Oh, c'est yeah. Moi, Tommy Shelby. Hello, dude. Non, je crois pas. C'est pas lui, Tommy Shelby. C'est moi. Non, ça, c'est Thomas Pesquet. Voilà. Ouais, c'est pour ça. Pas chef, comment il s'appelle l'autre là, le connard? Petit ours. Non. Petit ours, inscris-toi. Non, pas inscris-toi. Crie, je veux dire, quand tu sortiras. Oh là là. Il appartient à sa chaîne d'oreille. chef, pourquoi tu t'énerves comme ça là? Tu m'énerves. Bah, c'est toi, t'as dit crie quand on sort. Ah. Okay. Non, je ça le voit pas. J'arrive pas, attends, c'est déjà, c'est où les danses là, putain? Attends, c'est dans l'apparence. Allez, ouais, c'est dans l'apparence. Je peux pas monter. Waouh. Je parachute, tenue. Oh, Y a pas. Arrête. Et voilà. D'accord. Il a. Wesh. Ah, attends, c'est formé la chop. T'es mal arrière de gauche. Woogie, pile au face, bang bang. Il est renfoncé. Putain. Allez, salam les losers. Ah, on se reverra, chef. Craquage. Ouais, ah, bon, petit ours, là, tu viens, là? Chris Denner, ça s'appelle. Ah, Chris Denner. Putain, mais arrête de te branler, mon perso, là. Quoi? Mais... Ah, crise de nerf, les gars, c'est la crise de nerf, du coup j'ai pas offert de nerf à ma soeur. Mais non, putain. Il y en a plus. Chaud. Ah, dommage. Mais parce que j'ai pris tous les nerfs qu'il y avait, je savais qu'il allait avoir une crise. Maintenant faut plus aller sur les 38 spéciales, les vrais de vrais. Oh putain, attends, P38 spécial, vraiment le chef est impliqué. C'est grave, clavier, pas question, allez hop, évita. Vas-y, dis un truc,
tu dis un truc normal, genre tu dis un truc, genre tu t'énerves en continu, et d'un coup tu fais quand c'est le moment. Et je te regarde. Il fait toujours ça en cours, les gars. Je vous jure, il fait toujours ça. Il fait genre et tout, mais il est vraiment énervé. Mais je vais pas faire ça. Attends, juste pour voir, t'es ressemblé à quoi? Wesh! Regarde là. Ah, comme ça. Ok. Voilà, donc quand tu seras énervé, tu feras ça. Ça te dérange pas. Vas-y. Allez hop. Allez hop, tiens ça. Oh le fils de pute. Ok, la guerre est déclarée, couture. C'est parti. Oh non! Ah, je suis désolé, mais il a cherché ce connard. Mais j'ai fait quoi? Bah, tu m'as tué. Comment ça, j'ai fait quoi? Il vient de me tuer à l'instant. Vous en êtes témoin, les abonnés, quoi, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Tiens, toi aussi, Taras. Bon, vous voulez faire quoi, les amis? Eh, viens, on fait un caillou perico. Mais les frères, faut le préparer tout, wesh. Bah, préparer, oui. C'est quoi? On doit refaire toutes les missions de préparation encore? Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une mission de préparation. Quoi? Mais pourquoi des fois tu dis, ouais, on peut faire 20 cailloux? Tu peux faire. Parce que moi, j'ai un gros geek. C'est-à-dire, je sais quoi, dès que t'as fini un caillou, tu refais toutes les missions, tu fais le caillou, refais toutes les missions. Moi, j'étais un ouf. Ouais, je suis un baiser dans ma tête, moi. Mais non, c'est un baiser, arrêtez. C'est un malade. Bah, venez, on va à l'aéroport et Arrête. Bah, comment nous la chope alors? C'est qui lui? C'est un petit ours. Avec ta grosse tête là. Viens, on se bagarre. Ah, non, tu veux que je te commande la chope? Désolé. Vas-y. Arrête. Ouais, c'est bon. Arrête, ton lance-missile là, tu me fais penser aux émeutes. J'ai rien fait. Oh, et vous savez pourquoi il pense aux émeutes? Parce que Jibril était aux émeutes. Eh ouais. Ah, pourquoi les gars, on a un snap qu'on va pas dévoiler aux gens, mais on l'a vu avec un lance-croquette. Hein. Moi, je un lance-croquette. Ouais, c'est ça. c'était pour apaiser Baltar. Pour rire animalerie. Allo chef, t'es où là, chef? Vous êtes où, les gars? Bah là, on arrive. On est vers le casino. Oh, il est au coiffeur, je sais plus, il a peut-être des cheveux. Je manie la langue de moi. Oh. Mais non, il est parti au coiffeur. Mais non, je rigole, c'était la blague en fait. J'ai vraiment juste fait un accident, un peu ça. Oh. Putain. Ouais, je suis tombé. J'ai plus ça, c'est chez le coiffeur, pas au coiffeur. Ah merde, putain, j'ai oublié tout. Mais chef, pourquoi t'as pas envie d'aller chez le coiffeur? Parce que. Monte. Parce que franchement, gars... avec des cheveux, ça tirait bien. Regardez-moi. Oh. Hein? C'est quoi ce singe là devant moi? Attends! Il attaque un singe! Oui? Non, c'est bon, je me rends peut-être. Regardez-moi dans les neuils. Ah, attends, okay, attends, je te regarde. Attends, ouais. Je me focus bien dans les neuils, ouais. Ah, t'es. Oh! Oh mais non! Mais non, chef! Mais non! Mais faut fêter ça, chef! C'est comme ça qu'il fait la fête. Je suis mort. En fait, je voulais lancer le feu d'artifice. Mais je suis mort. C'est pour ça que j'ai pas sa fête d'anniversaire, frère. Ah ouais. Sinon, je meurs. Ah non, c'est fermé, chef. De quoi, ton anniversaire? Moi. Eh, pas besoin de t'énerver, petit ours. Hein. Range ton fusil, frère. En l'air, okay. J'hésite un peu à tirer, monsieur. Ok, c'est la moula. La police, hein? Ah oui, je suis policier, ouais, je suis policier. Il devient fou, ce gars. Rush ton. Oui, quoi? Wesh, c'est quoi ça? Oui, je sais quoi? Ah, mais. Oh, ouais, je vais mourir! Quoi? Mais non, y'a pas de grenade, petit ours. Par contre, regarde, là y'a une grenade. Attention! Ah, ça va, elle était derrière. Attends, oh, chef, tu peux me rentrer dedans avec le buggy là, s'il te plaît? Quoi? Avec le petit truc de con, je sais pas comment on appelle ça. Je préfère rien savoir, je saute. Normal, j'ai la pente dans. On s'est claqué. J'ai même pas bougé, frère. Bon, Vas-y, rentre-moi dedans si tu peux. Mais non, il est parti. Et bizarre vos conversations là. Mais chef, pourquoi tu t'es pas fait les Lux Trabiscotte comme nous là? Parce que c'est claqué votre coup. Oh là là, chef, t'as aucun goût. Hein. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, petit ours? T'as encore les chelophobies? Non, mais faut t'éradiquer, mon bourre. C'est quoi la coupe de cheveux que je dois faire? C'est Travis Scott, chef. Mais oui, mais Travis Scott, il a les cheveux dans tous les sens. Bah, c'est la dernière coupe de toutes les coupes, genre c'est la 44 sur 44, je crois. Chef! Bonjour, monsieur. Oh, arrête! Il est fou! Complètement maboule! Mais il va pas bien, lui! Ouais, non, c'est le chef maboule. Il est où ça? Mais non, c'est un braqueur. Au coiffeur! C'est un braqueur. Il a braqué le coiffeur! C'est un braqueur! Je vais te niquer! Mais non, il est pas, je vois pas. C'est de la pute!
Non merde. Mais prenez pas, qui t'a... Voilà. Oh merde. Aïe. Normal, je la vends dans tout Paname. Vas-y, j'arrive. Avec, allez, super je vais vous la rendre pour que vous fassiez une coupe gratuite. Mais ouais, non, chef, va, il va faire la coupe Travis Scott. Bonjour madame. Ok. Ok, d'accord. Okay. Je change de coupe. Ah. Je change de coupe. Okay. 20 000 dollars. Okay. Ça va, petit ah, le coiffeur occupé, putain. Oh là là, il est relou. Bah, viens, on se bagarre, chef. Oh, il y a un mulet. Attends. Et oh, un mulet. Oh, y a une... oh, tu t'es pris une balle dans le cœur, mon gars. Oh là là. Et un mulet. Quoi? Oh. Tu fais le mulet ou pas? Oh non, je coupe mulet. Chef. Normal, j'ai vu des trucs tomber là. Vous me prenez pour un champignon là, ils sont fous ces gens. Chef, décale-toi là. Je vais te donner un coup de poing si tu bouges pas. Ouais, t'es mal en fait. Mais je vais mourir. Hein. Comment ça mourir, chef? Tu vas pas mourir. Je sais pas, vous avez balancé des trucs bizarres dans le coiffeur. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends. Je vais mourir. Non. Tu ne vas pas mourir, petit ours. Regarde, je suis là devant. Tu vas pas mourir. On va mourir. Hein. On est tous. Ouais, vraiment, il a marché vers sa mort. Hein. T'as fait coupe mulet, Lucas? Ah, bien sûr. Vas-y, viens, Djibril, on fait coupe mulet. Quoi? Mulet? Mais moi, je préfère ma coupe Travis Scott. Mais elle est claquée au sol, t'as trop. Fais ta coupe mulet là, un peu de changement dans la vie. Ouais, en vrai, j'avoue, ça fait quasiment un an que. Un mois, je veux dire que je l'ai, donc vas-y, pourquoi? Ouais, il s'est pas lavé les cheveux depuis un an, non, IRL, il a dit. Oh, oh la coupe de merde! Wesh! Et c'est dingue quand même! Aïe! Mais qui a voulu faire le contour avec un roquet? Il s'est couché par terre, c'est une dingue! Chef, il veut que je fasse mon mulet, mais à chaque fois il dit je t'ai tué, je suis chef, blablabla. WhatsApp, ça va bien? WhatsApp, Adrien, WhatsApp! C'est fermé à cause de vous! Adrien, pourquoi tu viens pas jouer? Eh, salut Adrien, ça va? Ouais, moi ça va! De ma gueule, c'est enculé. Il y a des DDH, je suis perturbé là. Mais non, putain, mais moi je sais pas qui est qui. Je sais pas qui je suis. I'm on a clap, what you want? Someone with des cheveux qui résoudra ce problème. Mais t'as pas, j'ai le téléphone en main. D'accord. Mais faut que je parle. Wow, oh ouais, il parle bien espagnol le chef. Attends, il y a des grillages. Hola, devant moi, total. Là. Voilà, on explose. Ah, t'as dit hola, total, mais ça c'est va juste bien, et vous? Hey, va devenir un cool. Pourquoi t'as dit hola total? Ah! Arrête toi, mais putain, mais je t'ai dit, je suis sur le téléphone! Ça, mais je voulais taper Fiorce, il était collé à toi, putain! Attends, ok. Quoi? Je peux putain, il a utilisé mon crâne le pour rebondir! Le coiffeur est fermé! Bah oui, t'as tiré dessus avec tes bombes là! Mais c'est lui qui vient de lancer un lance-roquette, ce gros connard là! Allez, ouais, t'as quand même explosé avant! Hein. Chef, peux pas monter à cause de toi! Mais bon, si, on répond à Adrien ou pas là? On répond à Adrien ou pas là? Vas-y, Adrien, qu'est-ce que t'as dit, Adrien? Ça va bien et vous? Là, maintenant, répondez là, sinon je vous tue. Ça va bien, mec, ça va bien. Très bien. Voilà, sous la pression là. Chef, je peux pas monter dans le véhicule à cause de. Ah, voilà, c'est bon. Ah, mais il répond pas, Adrien, mais regardez, c'est mal posé. Moi, j'ai répondu là. Ouais, il arrive comme un mec. Vas-y, grimpe. Moi, je vais peut-être fait boing. Vas-y, grimpe, chef, grimpe. Ah, ça, c'est. Je me suis chié dessus, frère. Ça se voit, chef, il voulait partir sans moi. Franchement, j'y ai pensé. Ouais, je me disais. Attends, chef, emmène-moi à ce coiffeur, s'il te plaît. Parce qu'il est fermé l'autre. Ah merde, faire demi-tour, désolé. C'est parti. Question pour un champion, monsieur. Combien on fait 2 plus 2? Deux. Les gars, j'ai un vrai dilemme pour vous. Vas-y, j'écoute, chef. Et ça fait deux, Lucas. Bim, j'ai bon. Putain, mais ils sont forts, hein. Et c'est quoi ce dilemme? Vas-y. Vous êtes dans une salle. Ouais. Il y a un mec tout nu. Mais il est bien posé. J'ai même deux dilemmes, mais d'abord, faut répondre. Attendez, je vais répondre au moins compliqué. Ouais, vas-y. Tu dors. Avec un mec. Attendez, je me rappelle plus là. Putain. Tu dors avec des mecs. Ouah, tout ça. Ok, c'est chef dans le même lit. Vous êtes tous tout nus. Chef et petit ours. Ouah, non, ouais, non, pas tout nu avec vous. Il y a un mec. Il dort. Ouais. Le zub.
vers la gauche et l'autre il dort le zeub aussi vers la gauche, mais toi t'es au milieu. Ça veut dire tu dors zeub à zeub ou zeub à fesse? Ah, zeub à zeub, hein. C'est le mieux, je pense. Hein. Ah bah, zeub à zeub, je pense. Attends, faut faire un mulet. Mais genre là, vous êtes ice contact face à face avec un mec qui est tout le monde. Ah ouais. Bah, en vrai, si tu dors zeb à fesse, y a un moyen que sans faire exprès, dans la nuit, agitamment, hop! Bizarre. Ouais, elle s'appelle zeb, comment la coupe mulet? Bah, la coupe mulet, quoi. Y a pas mulet. Mais tu vois, attends, regarde, je te montre, elle ressemble un peu à ça, regarde. Ah, voilà. Ah, c'est la coupe Johnny Zermain, ok. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Attends, parce qu'Adrien, alors, Adrien, hashtag pris par la PEF, emoji mort de rire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pris par la PEF ? La galère, c'est les paquets. Non, hashtag pris par la PEF. Hashtag pris par la PEF. Par la PEF ? Quelle PEF ? La perfusion. Ah, mais t'es à l'hôpital, là, Adrien. Mais, putain. La perfusion, ça. Adrien, non. Regarde, okay, les messages gars, avant, connard. Alors, attends, je lis, hein. Il y a écrit WhatsApp, ça va bien et vous, hashtag pris par la perf. Regarde les messages avant, connard. T'as je ne vois pas d'autres messages. Chef. Mais t'as un chapeau, ça, le gros con. Mais je l'enlève, dis-moi. Il met un autre. Mais il. Mais je suis en train de. J'ai trop de chapeau. Mais c'est un gars à chapeau. Plus c'est les mêmes mais différents, mais putain, mais ah voilà. Et on dirait Joe dans Jojo, je sais pas si vous avez la ref, les gens. Oh. Joe. Oh, chef, ça fait trop bizarre de voir avec des longs cheveux comme ça. On dirait Julien Doré. Ouais, je dirais Claude François. Pierre. Alexandrie. Attends. Logique, t'es en STMG, je t'ai envoyé un truc avant, mais tu vois pas. Mais c'est une dinguerie de m'insulter alors que je vois pas, parce que mais putain, mais. Pas mal de STMG, chef. Froid à la tête là. Mais je vois pas. Je vois pas. On voit ton numéro. Je le vois pas. Oh! Wesh! Non! Le chef est laid. Quoi? Quel combo il est laid, frère? Ah, il nous pousse en plus, il nous pousse. Ah, d'accord. Est-ce que ouais. Allô? À l'huile. T'as entendu la fin de ce que je disais avant? Ah! En gros, j'ai dit Djibril, il répond pas dans son chat, il est devenu égocentrique. Ah bah, attends, mais j'ai pas le chat à côté de moi, bordel. T'es égocentrique. Non, mais il parle de mon chat, je pense. Mais t'es égo. Oh, le slide! T'es égocentrique, mon gars. Ah oui, il m'a dit ouais. What's up. Ah mais c'était il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, il m'a dit what's up. Voilà Lucas, regarde comment je suis beau gosse. C'était tellement prévisible. Ah, ça fait rire en plus. Ah oui. Bah mort. Fais ta crise de nerfs là, sale con là. Avec ta gueule de chef, con. Chef, t'es là, t'es mort. Où je suis à pute. Hein? Si tu me tues, t'exploses la voiture du chef en même temps. Est-ce que tu vas prendre ce risque? Bah ouais. Hein? Bah oui. Quoi? Non. Bah si. Non. Je prends ce risque. Le chef il se prend cette fille. Voilà. Voilà. T'as quelqu'un d'où tu me vois? Début à je suis tricheur, hein. T'es con ou quoi? Je visais tes pieds. Il dépassait en dessous de la voiture. Non mais t'es en train de dire j'ai des gros pieds. Viens chef. Mais j'ai pas des gros pieds moi. Non mais je voyais tes pieds. Oh ok, beau gosse le chef. Ah ouais, cherche pas des excuses. T'es con ou quoi? Il a pas dit chef. DBH menteur. Attends mais t'as kidnappé le chef en plus hein. Bon attends, laisse-moi rentrer. Ok, monte là. Ta grosse. Qui c'est le malin tête, toi hein? Qui hein chef? Oh il vit chef. Mais non je vis pas. C'est juste tu sais pas courir, du coup mon perso il est tout comme un chef, regarde-moi. Ferme la. On est le gang des Johnny Hallyday là ou quoi là avec nos grosses têtes de con. Allumez le feu. Oh tu sur le rang, allumez le feu.
En plus, j'ai la tenue parfaite pour Johnny Hallyday. Ok. Mais je peux pas. Alors, vous êtes. Non, non, conduis là, conduis là. Oulalalala. On va s'habiller. Tiens, juste pour vérifier un truc. Chef, t'as pas de sourcils, chef. Ah si. C'est une dominicaine. Ah si, si, il y en a. Oh, il y a une belle moustache, hein. T'as vu ça? Moi aussi. T'as pas eu ma moustache, petit ours? Pourquoi on a 5 étoiles? Regarde, ma moustache, petit ours. 5 étoiles. Ouais, je me crois 5 étoiles. Au secours. Mais il a pas vu. Oh là là. Ah, ta mère, l'hélico. Oh, il y en a deux. Mais c'est à cause du chef, oh, il a appelé Lester là. Tiens ça. Putain. Je suis dans une grosse galère. Une grosse. Comment je le bûche là? Grosse galère. Ouh. Mais pourquoi le chef il est pas tombé? C'est pas logique. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, chef, que de se prendre des balles depuis tout à l'heure, je pense qu'il va bientôt mourir. Tiens, devant. Oh. Ah. Il est tombé. Ah, ah, bazardé. Bazardé. Nanana, bazardé. Wesh, les chiens sont sortis du zoo. C'est ça. Chef est mort. Mais non. Chef. Je suis mort aussi, petit ours. J'abandonne mes responsabilités. Ah bah, je vais conduire le truc alors. Ouais, je me fasse prendre, sinon le chef il a plus de véhicule. Vas-y, vas-y. Essaye. Je reviens avec toi si tu veux. Ok. Non. Au pire, tu fais quoi? Regarde, viens là où je suis. Et dès que t'arrives à côté de moi, tu descends. Comme ça, moi je monte dans le véhicule, j'ai pas d'étoile. Et comme ça, le chef le véhicule. Oh, néon! Allez, viens, petit. Il faut essayer d'arriver. Hein. Essaye d'arriver à moi, t'inquiète. La voie est safe, il y a zéro flic. Oh, mais putain, mais je connais pas la map. Attends, les... oula, par où? Par là? Je suis. Oh, sur une autoroute, frère! Ah, Zizi. Ah, intéressant, Adrien. Comment ça, Zizi? Je sais pas, il a mis Zizi. Mon Zizi, oui, je vais te le donner, oui. Comment ça, DBH? T'as répondu oui? Ah, Adrien, DBH, bordel. Oh, les DBH, DBH. Ça va ou quoi, les SDF? Ok, petit ours. On dirait qu'il parle à ses abonnés. Ça va ou quoi, les SDF? Là, je suis en face de toi, Voilà. Allez, Zizi, saute du véhicule dès que je suis là. Allez, saute, tu peux sauter, c'est bon. Merci. Ah non, c'est terrible. C'est bon, t'as pour une petite fer de fesses, tu perds l'équilibre. C'est bon, je suis là, les gars. Désolé, j'avais un petit imprévu. J'ai Hitler qui m'a appelé. Eh non, quoi, il a ressuscité. C'est bon, chef, j'ai sauvé ton véhicule, il a pas disponible. Merci, de rien. Waouh, wesh. On a fait un face à face, gros. Allez, viens. Attends, viens, on change de véhicule. Ou chef, c'est. Non, mais j'aime bien celui-là. Voilà. Tu veux monter à l'arrière? T'as dit quoi de quoi? Oui. Bah pourquoi t'étais pas là? Comment ça, c'est quoi? Ah, ça, mon frère il m'a appelé parce que il doit je dois l'aider pour porter un truc. Ah. Ouh là. C'est le seul mec qui pose une question à chef, mais il le coupe pendant qu'il lui donne la réponse. Ouais, parce que tu m'en dedans, ouais, du coup ouais, tu devais aider Hitler à conquérir la Pologne, ça marche. Amène-moi là s'il te plaît, DBH. Mais pourquoi tu descends? Non. Ah là, il va pas l'aider à conquérir la Pologne, qu'est-ce que tu racontes? Mais chef, on fait des pistes du catch. Eh. C'était juste pour te montrer à quel point t'es dangereux. Vladivostok. Vladivostok. T'as dit quoi? À quel point t'es dangereux? Ok. Vladivostok. Allez, Pjurs, viens, je suis là. Vladivostok FM. Attends, mais c'est une dinguerie, la voiture elle s'appelle deux classes, mais elle est pas classe. Quoi? Ah bah chef, Balafmouk, allof. Quoi? Pourquoi tu fais ça, petit ours? Non, en fait, je voulais voir, je voulais tester si je maintenais triangle, ça te virait du véhicule ou pas. Djibril, t'es mort. Pourquoi? Ah, 5 étoiles! Gros, on est en séance d'ASMR, pourquoi tu cries, bordel? On a 5 étoiles! Mais oui, on a 5 étoiles! Pourquoi? Oh, attends, y'a un point bleu, je t'amène, petit ours, tu veux, avec ta grosse. Mais frère, on a 5 étoiles, on a pas le temps! Le temps, c'est la crise de nerfs. Où est-ce que je suis musicateur? Ah, ils ont crevé les pneus. Attends, où est-ce que je suis musicateur? Oh, je vais avec le chill. Bon, maintenant on va mourir. Oh. Alors, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Autant me déshabiller avec mon honneur qu'avec mon desnoser. Hop là. Avec mon desnoser. Ah, c'est moi, avec mon desnoser. Ah, le chef avec le cigare au bord des lèvres. J'adore. Comment ça le.
Bizarre, Adrien. Ou, ici, à quelle heure demain on finit à 23h dit... demain, on finit à 15h. Le chef avait le cigare au bout des lèvres. J'adore. Comment ça, l'heureux? C'est-à-dire, il parle de vip? Je sais pas du tout. Il fait une allusion, est-ce qu'il fait une métaphore du zeb? Attends, j'avais un cigare au bout des lèvres. Peut-être. Ah ouais, je vous ai pas dit mon deuxième dilemme. Ah, ah oui, le dilemme. Le deuxième dilemme. Dans une salle. Imaginez-vous une salle. C'est la salle. T'as les films, j'ai trouvé le jetpack. J'ai trouvé le jetpack. Oh yeah, yeah, le jetpack. Non, dites-vous, vous êtes dans une salle, t'as les films de policiers que vous savez quand vous faites interroger là, une salle bien sombre avec une table bien et c'est tout. Bien sombre, ouais. Et ben, dans cette salle, il y a une table. Okay, attends, la table est faite en quoi? C'est pour mieux me contextualiser en marbre, elle est faite. Il y a une table qui est dans une matière, mais elle a une circonférence qui fait la taille d'un gâteau. Attends, la table fait la taille d'un gâteau. Exactement, parce que pourquoi? Parce que sur la table, il y a un gâteau. Une table à gâteau, oui. C'est une table gâteau. Et sur la chaise, il y a une bite. Ah, je connais le dilemme. Et du coup, tu dois t'asseoir sur un et manger l'autre. Tu fais quoi? Bah, est-ce que quand tu t'assois, t'es obligé de te mettre la bite dans le cul ou quoi? Bah oui. Ah, t'es obligé? Oh là 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 là. Donc en fait, c'est soit tu manges le gâteau et tu te prends la bite dans le huc, soit tu t'assois sur le gâteau, mais tu manges une bite. Ah, dans les deux cas, c'est un peu gay. Moi, j'ai entendu DBH, il a dit je mange le gâteau. Il a dit ça direct. je pense en vrai. Je pense dans en tous vrai, les cas, c'est... moi je suis pas gay. Non, bah non, c'est juste. C'est juste le truc. Ok. Mais dans tes caisses, tu préfères manger une bite. Je pense qu'il y a mieux. C'est ça, ce qui est mieux, c'est de s'asseoir sur un gâteau, je pense. Ouais. Car après, tu peux te brosser les dents, alors que. Tu peux pas te brosser les fesses. Bah si, tu peux te laver les fesses. Ouais, mais après t'auras sucé une beauté alors que t'es un mec. Oh, chef! Ouais, mais comment après, t'as dans le cas, si tu t'es pris une bite alors que t'es un mec. Bah oui, c'est ça le dilemme. Toi, chef, tu préfères quoi? Tu préfères la prendre ou te la prendre? Enfin, tu... Ça, je préfère. Je pense que je préfère m'asseoir sur le gâteau. Ouais, voilà. Ouais, wesh! Ah! Ok, on a résolu quoi, DBH? Hein, DBH, tu préfères manger quoi? Je préfère manger la bite. Ah, mais le gourmand, hein, est-ce que tu portes bien ton nom ou pas? Que t'aimes bien manger des gâteaux? Bah, okay, j'aime bien manger des gâteaux. Tu manger le gâteau alors? Non, là pour le et coup, plus, je préfère. En plus, DBH, tu vas voir. Hein, une bite de noir. Tu te rappelles pas, il y a deux secondes, tu m'as tiré une roquette et t'as dit, tu vas voir de quoi je suis capable. C'était pour amener du suspense. Tu te rappelles? Oui. Do you think I am a nice guy? Alors, toi, mais vraiment, mais ferme ta gueule par pitié. Tu vas mourir, DBH. Tu vas mourir, j'attends ça. Do you think I'm a bad guy? Yeah. Ah! Oulala, j'ai ce qu'il veut! Fils de pute! Mais viens par là, petit ours, bordel, ta grosse tête de con! Elle a tapé la pipi la pépé pédalo! Elle aime. Ah! Il m'a frappé à distance! T'es con, je cours vite! Mais putain, mais il a des turbos au pied! Eh ouais, mon gars, tu connais, moi je suis Usain Bolt, mon gars! Ouais, c'est ça. Bref. Attends, il y a un dilemme. Ah, je crois, une fois j'avais entendu un dilemme. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Alors, vous êtes dans un lit et il y a une meuf bonne 10 sur 10 d'un côté et un mec qui est gay de l'autre. Mm-hmm. Alors, on préférait faire quoi? Tourner le dos au gay ou à la meuf? T'es mort, DBH. La meuf. Tourner le dos à la DBH. Meuf, c'est un sourire. Oui. T'es mort. Ouais. Non, je t'en supplie, par pitié, c'était juste pour m'amuser. Alors bouge c'est pas. C'est quoi ce combat de con là? Si tu bouges pas, je vais rien faire. D'accord. Lucas va à côté de Lucas. C'est mort, il m'a tué. Bah il est à côté de moi théoriquement. Venge-toi sur Lucas. Non, c'est pas grave. Lucas et DPH, mettez-vous à côté. Okay. C'est un ordre du plus haut. Entendu. Ça marche mon mais colonel. Ne vous tapez pas. Ça marche. Ah putain, c'est dur. Ne bougez plus. Je vous vois. Vraiment? Où ça? Vous êtes où? Ouh là 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 là, canon orbital! Atomisé, il y a même pas écrit. Il écrit atomisé, il y a même pas écrit mort. Il est dans l'espace. Waouh, comme Gambi. Comment? Je vous ai atomisé. Pop. Mais pop. Non. Mais non, c'est pas ça. Mais attends, je vise le ciel. Bah si, c'est pop que Gambi chante. Mais non, dans l'espace. Ah bah dans là, l'espace. Je suis dans. J'ai dépensé 750 000 dollars pour tuer Djibril. 750 000 dollars. Vraiment?
Ouais, mais qu'un orbita pour killer c'est 750 000. Oh là là. C'est pas quoi faire de son fric, chef. Mais non. Mais au moins je me suis mangé. Tu vois de quoi je suis capable maintenant? Ouais. Mais attends, pourquoi tu m'as tué moi? Bah, je sais pas, t'étais à côté. Vas-y, commence ta crise de nerfs, petit ours. Non. Putain, mec, c'est tellement marrant que j'ai enregistré la... une vidéo de Lucas qui pète un câble. Ouais, t'as vu comment il est drôle ce gars? C'était non, extrêmement marrant. Arrêtez, arrêtez. Non, c'est réel, c'était vraiment très marrant. Je me suis vraiment tapé une barre dans le train. Coucou. Coucou. Ah le bâtard. Attends, par contre, tu m'as fait grind au Zub, mais. Zub Zubmeat, frère. Excusez-moi, monsieur, vous avez un Zub dans le cul. Excusez-moi, est-ce que tu peux jeter ton portable pour pouvoir jeter les gens? Viens là, viens là. Tiens ça. T'es qu'une pâle copie de moi-même, de toute façon. Ah. T'as vu un peu ta tête là? Eh, c'est dur de te tuer, hein. On dirait que j'arrive pas à te toucher, voilà. Comment ça, t'en restes en 6 minutes? Il se passe ce code dans 6 minutes. Encore une bombe nucléaire, mais non. La fin du monde. Eh, mais en fait, Lucas, t'avais raison, en fait, c'était tourner le dos à une meuf, pas un mec. Bah oui. Donc, en fait, alors, le dilemme, c'est soit tu tournais le dos à la meuf bonne, soit tu tournais le dos au mec. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Et le mec, il est gay. Bah, du coup, toi aussi, Mais en fait, si tu tournes le dos au gars, c'est-à-dire que t'as le cul de la meuf devant toi, mais tu peux te prendre une olive surprise. Ou ouais. Si t'as le dos à la meuf, tu peux regarder le gay pour voir qu'il te fasse pas une olive surprise, du coup. Oh. C'est ça tout le dilemme. Voilà. Oh. Et sinon, chef, est-ce que toi t'aimes bien les sushis ou quoi? Ah non. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette différence. Et moi. Je n'aime pas les sushis. Ouais, vas-y chef, continue, t'aimes pas. T'aimes... Je n'aime pas les sushis, mais j'aime bien les makis. C'est quoi la différence, dis-nous, les explications du chef? Alors, les sushis, c'est juste le riz avec la tranche de saumon dessus. Ouais. Les makis, c'est ce que tous les gens appellent sushi. C'est, t'as une garniture, t'as du riz autour et une algue autour. Tiens le gratté! Ok, d'accord, toi tu t'aimes bien les makis, mais pas les sushis, ça voilà. Parce que les sushis, il y a plus de saumon que d'autres choses en fait. D'accord, moi, chef. J'en ai strictement rien à foutre. Est-ce que vous avez deux dilemmes ou on peut aller se faire foutre? Non, je parle plus. On me pose une question, je réponds, on me dit qu'il en a rien à foutre. Mais c'est pas moi qui ai posé la question, c'est ce connard. Non, j'ai dit, est-ce qu'on a un dilemme? Pourquoi t'as jeté de l'eau par la fenêtre plus jour, c'était un malade? J'ai pas jeté de l'eau. Je jure, t'as jeté de l'eau par la fenêtre. Bon, je vois pas ce que tu veux dire. Non, chef, j'ai dit, est-ce que vous avez un autre dilemme ou on va se faire foutre? Alors là, mais mon gars, c'est quoi cette rafale tout à l'heure? Ah, Adrien a dit, mais tu allais dans le mauvais ordre. En gros, ça veut dire qu'il était parti parce qu'il avait envie de chier. Ah. Hein. Mais du coup, Adrien, il vient toujours Pasco ou... Non, Adrien, tu viens de quoi ou... Parce qu'on on avait demandé, là, Lucas, il avait demandé, mais du coup, moi, j'ai pas, il m'a pas la réponse. Anamabi Mako. Arrête. Il est malade, petit ours. Pourquoi j'ai toujours un gun quand je viens de Paris, Adrien? Petit ours, pète un câble. Arrêtez de vouloir ma mort. On veut pas t'avoir, on veut que tu pètes un câble. Mais oui, c'est pareil. Non, parce que tu meurs pas quand tu pètes un câble. Qui t'a dit que c'était pas. Aïe. Oh la passe quoi il est. Oh putain. Sinon, chef, t'es où? T'es toujours dans l'espace? Non. Bah, ok, bah réponds-moi, non. Oh la réponse sec. Le gars, il fait non. C'est sûr, t'as collé aux couleurs. Non. 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 Non, j'arrive, je suis dans les montagnes. Mais non, mais je viens en ami, il m'explique. Bah, fallait me prévenir. Et prévenir, mais putain. Fallait me prévenir, frère. Oh là là. Oh. Moi, j'aime pas être un SDF qui recoute des BH. Hein. Pourquoi? Avec des BH, le SDF va faire. Est-ce que tu peux avoir des BH? Il va lui mettre une, pas deux. Bien, petit ours, regarde, j'ai pris une voiture de vacances. Tu peux poser ta valise au-dessus, y'a pas de soucis. Regarde. Tu peux de valise? Il n'y a pas de valise, il prend que un caleçon et un pantalon. Mais t'es un malade, petit ours. Alors, après, donc toi, je vais chercher. Si je pète, il n'y a plus de caleçon. Allez, monte, mon gars. Après, aujourd'hui, si vous ne savez pas, des bêches, il a cassé son caleçon en fréquent.
Non, c'est faux. Bah, tu m'as dit ça tout à l'heure, hein, excuse de mentir. C'est faux. Contrôle des papiers, je me taille. Comment ça, contrôle des papiers? Hein? Oh! Mais pourquoi t'exploses mon véhicule? Mais il explose mon véhicule! Lance-roquette, il a fait un lance-roquette sur ma voiture, mais elle a rien fait ma voiture, j'étais venu avec Y'a une bombe collante. Quelle bombe collante tu me parles? Mais y'a rien du tout. Ok les gens, bah vous avez vu. Je te paye un, je pense que t'es dyslexique. Hein. Ferme ta gueule! Bon, du coup, chef, comment t'as utilisé le canot orbital? Regarde, viens, on va voir, regarde, vérifie. Un complexe, pas un Tex-Mex. Ah, ok. C'est bon, y'a pas de bombe collante? Ah non. Voilà. Tout ce qui est collant, tu sais quoi, c'est mon amour pour toi. C'est mon amour. Ah ouais, et tu sais tout ce qui est collant pour moi? Et bah, c'est les bombes, mon gars. Ah, vous avez vu les gens? Ah, vous savez ce qui est collant pour moi et pour vous, les gars? Oui. Les doigts quand tu manges des chips. C'est des t-shirts monstres qui vont pas arriver. Ah oui, merde. Et non, c'est mon caca quand je suis de, quand je me suis chié dessus dans le calbar. Parce qu'il a le caca kaki collé au cucu, et ouais. Ouais. Parce que tu as la ref. Ouais, moi j'ai la ref. Ouais, tant mieux alors. Mais par contre, les gars, c'est vous inquiétez pas, les t-shirts ils arrivent bientôt, Inch'Allah. C'est carré, un lundi après-midi. Après les 4 heures de management. Ils arriveront, je vous dis, si je pète le permis, et je vous dis un soir après les cours, je viens. Allez, ça marche. Je viens dans votre ville et je vous. Vas-y. Et au pire, ça attendra que des biaches viennent au chantier. Et petit chance aussi, viennent au chantier. Donc en juillet. Ah! En juillet, arrête de frapper! Oh bah, bonjour, juillet, en juillet, Pturs il aimerait bien venir au chantier. Oh, c'est Spider-Man! Bien la caisse. Oh là là! T'es une voiture malabar! Allez, montez pas! C'est marrant, ça, hein! Qu'est-ce qu'on rigole quand on meurt? Oh le fils de pute! Qu'est-ce qu'on rigole quand on meurt? Ah! Chien! J'ai fait pour toi, gros sac à merde! J'étais pas dans l'auto! J'étais pas dans l'auto! Oh, je me suis pris un enchaînement. Bon, venez, on va s'habiller là ou pas là? Mais oh, mais lui, frère. Ouais, je comment ça, lui, frère hein? Ah bah ouais, mon rêve. Easy. C'est qui, vite? Easy. Merde, c'était chef. Ah, c'est quoi ça sur le chemin? Oh, mais je suis désolé, chef. Alcohol. Mais vous êtes fous. Je viens de l'île des snipers. Je suis un tireur des limites. Mais t'as même pas regardé One Piece, tu connais, mais. Quoi? Comment il connaît? Bah, je connais, frère, ouais, j'ai mes refs. Allez, DBH, 3-3, si tu me tires encore une fois dessus, la guerre c'est ça marche, ça marche, chef, je te tuerai plus. Ok. Quoi? Arrête là, j'ai dit que je m'arrêtais. Ah, vous êtes bien sapé, monsieur. Bah, il a envoyé une bombe. La moula. Les deux sont morts à côté. Non mais sérieux quoi la loose. Oh la moula. La moula mourante. Bon vous habillez là ou quoi là? Mais le connard il me tue à bout. Regarde DBH s'il te plaît comment je suis habillé. Non c'est pas top. T'es où? Tu te fais la gueule ou quoi? Oh le sapeur congolais quoi. Tu veux sapé que vous. Tu veux que je m'habille c'est ça? Par chef. Je t'ai dit. Allez c'est la guerre. Mais je t'ai dit pas. Non mais s'il te plaît je suis moi je dis pas comme ça fait 44. Eh BDH là. Tu veux du cowboy? Elle met le feu. Ok ça va, Johnny Hallyday. Non c'est pas moi. Oh là là. Bon chef vas-y tue-moi, je t'autorise. Carrément tue-moi ou coupe-moi. Ah t'as pas envie. Bah c'est gentil alors merci. Fallait le faire en mode discrétion. Fallait le faire en mode discrétion chef. Ah, on pas les menus. Non attends, je vais te mettre en mode genre. Non. Casque non. Y'a pas masque, y'a pas chapeau là. T'es où sur le jeu. Ah c'est que c'est soir. Les gars c'est où Zub dans le cul dans le jeu. C'est magasin de chaussures. Oh venez on fait une descente au magasin de chaussures. Mais attends, mais je suis en train de changer de chef. Oh yeah. Oh DBH. Oh yeah. Fuck you mother bitches. Quoi? Quoi faire? Quoi faire? Allez hop. Va couper. Allez, chier.
Allumez les feux. Allumez le feu. Ça flop comme des bêches. Quoi? Mais c'est toi qui viens de flop à l'instant, sale connard. Ah. Alors, Tours, juste fais pas trop le malin, sinon ça va mal finir. Petit tour sur. Fais pas trop le malin, tu vas faire mal finir, hein. Fais la fin. Troisième dame du karaté, tu vas voir. Là, il t'a terminé, là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Non, il est mis juste mon propre de malin. Non, non, non. Voilà, bébé, je vais te niquer ta mère. Ça y est, frère, tu vois bien que je suis à côté, fils de pute. Mais pourquoi t'as pas avancé? Tu voyais bien que j'ai balancé le même collant, fils de pute. Tu vois bien que j'étais à l'arrêt, sale gros chien. Mais chef, pourquoi tu as pas avancé? Ils ont mis de merde. Désolé. C'est bon, y'a 5 sacs. C'est bon, y'a 5 sacs. C'est un autiste, ce mec. C'est un de con, hein. C'est plus si les gens, BDH, il est con, BDH. C'est un autiste. Eh bah, toi, je vais pas te faire de cadeau, je vais pas faire plaisir à la zone, t'auras pas d'Akagoul monstre. Allez hop. Tiens ça, t'as le tu. Allez, au poste de police. Vas-y, allez, d'accord. Va au comico. Et vous aussi, la jeune arabe, là. Hein? Vous êtes inculqué pour meurtre. J'ai rien. Non, 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 j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Monte. Vite, on va mourir. Il prend son temps, hein. On va te faire enculer. C'est le Groot. Ouais. Putain, le Groot, il t'a tué, frère. Putain. Le gros oh champ. Merde. Bah plus tard. T'es où, petit ours de con là? Bah je suis mort. Because she loves. On va où? On va où les gens là? À part se tuer, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas en vrai. Toi t'as envie de faire quoi, petit ours? Avec ta grosse tête. Bah viens, on va s'habiller, frère, on l'a dit tout à l'heure. Non mais putain, mais on est déjà habillé. Mais non, mais on s'habille mieux. Mais tu veux t'habiller comment même? Toi t'es mal habillé, frère. Mais je ne vous permets pas. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Oh, je viens. Bah quoi, bien sûr que tu viens. On paye les fleurs, sinon on meurt. D'accord. Chef, tu viens? Eh bah, au pire, oui, comme chef l'a dit, on fait une descente au magasin de chaussures. Ouais. Quoi, au magasin de chaussures? Ah ouais, magasin de chaussures. Bah moi je pense que j'ai un magasin de vêtements. Et là, un magasin de chaussures. Et après tu vas au magasin de vêtements, mais avant on achète des chaussures. Il est rentré dans la voiture du chef. Moi j'aurais pas aimé. Putain mais y'a que des... Oh madame, madame la tenue. Mais chef. Il a rigolé juste après, il a fait chef. Putain mais chef. Ah, Honda. Bah, Honda. C'est une technique de Hunter Hunter, ça. Bah, il a dit, vous voir Honda. Vous étiez dans le tas. Ah, vous étiez dans le tas. Ah, je croyais que t'avais dit ta Honda. Putain, y'a des culs partout ici, c'est une dingue. Mais un magasin de chaussures, normalement, c'est des pieds, non? Non, mais. Oh non, oh petit ours, oh, il a acheté des pieds sur OnlyFans. Oh putain. Quoi? Non, c'est faux, c'est même pas vrai. Il me dégoûte. C'est même pas vrai, c'était des pieds maquillés en fait, avec du vernis quoi. Ah. Tiens ça. Mais non, la police elle t'a tué. Ah d'accord, petit ours, ok. J'ai rien fait, c'est la police elle t'a tué. De tous les gars. Tu veux dire que t'es content parce que la police m'a tué? On est là. On est là. Attends, est mais y'a un gars, regarde. La moula. Et ils sont morts. Ah, mais y'a une meuf là-bas. Attends, y'a un gars là-bas, attends. Djibril, je vais t'enculer ta mère. J'ai pas vu que c'était à toi. Mais j'ai pas vu que c'était à toi. Arrête de faire genre, mais c'est une dingue. Voilà, je voulais tuer le pompier. Aïe, pourquoi y'a du gaz respiratoire là? C'est pour ta poche, hein. Mais ouais, j'ai le seum, frère. Gaz respiratoire. Au prochain cahier au périco, t'auras plus de pourcentage. Parce que mais vas-y, j'ai pas fait exprès, bordel. Comment je passe? Mais tu perds pour faire le tour. Non, je fais comme ça moi. Putain. Bien joué. T'as un zizi. C'est moi, regarde. T'as un zizi. Ah, bizarre. Bien joué. Ça, chef. Oh là là, je vais t'enclencher, chef. Je vais t'enclencher, chef. Oh. Allez, tuez-moi la police, j'en ai marre de cette vie de pute. Bon, voilà les gens, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Franchement, elle était bien en vrai. Oui. Okay. Ouais, on va arrêter la vidéo ici. Oh, le super timing. Oh, j'ai pris shot que petit ours. Oh, je suis trop fort. Il est dans ma chambre, hein, bizarre. Pourquoi, wesh?
Hein je dois manger moi. Bah ouais. Et des bêtes, tu dois partir. Bah, je sais pas, comme tu veux. Hein. Au pire, si tu continues à jouer, je coupe cette vidéo, j'en fais une deuxième. Voilà. Et hey, Lucas, voilà. Tu vas manger rapidement ou tu vas pas manger rapidement? Je peux manger rapidement. Hein. Ouais, vas-y, en vrai, mange rapidement, comme ça on. Mais putain, mais il arrête pas de me tuer, hein! Bon, les gens, c'est la fin de la allez, vidéo. Allez, les gens, je vous dis à plus. Ouf. Bisous.